que je t'ai fait de mal? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Dis-moi. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Dis-moi. Dis-moi. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Vas-y, dis-le-moi. C'est comme ça que tu peux me payer? C'est comme ça que tu peux me payer? Dis-moi. C'est comme ça que tu peux me payer? Tu es désolé? C'est bon. Hein? Je vais tout expliquer. Tu vas expliquer. Expliquer quoi? Reviens ici. Reviens ici. Le problème, je ne sais pas. Je n'arrive pas toujours à comprendre ce qui se passe. C'est pareil pour moi, je ne comprends absolument rien. As-tu passé nuit ici? Mais où irais-je? As-tu déjà mangé? J'ai pas faim, tata. Es-tu sûre? Tu étais ici déjà, ça fait longtemps. Tantine, où veux-tu que j'aille? Où veux-tu que j'aille? Je ne sais exactement ce que tu as fait à ta mère, mais rester ici ne va rien changer. Lève-toi, on va aller voir ta mère. Tantine, je ne suis pas sûre qu'elle va t'écouter. Elle va t'écouter. Ta mère va t'écouter. Mais j'ai peur. Je sais. Mais la peur ne va pas changer ses problèmes. Mais je ne pense pas. D'ailleurs, je sais que ma mère ne va pas me pardonner. Oh, puisque ta mère continue de prier et demander pardon à Dieu, elle va définitivement te pardonner. Elle va te pardonner. Allez, lève-toi, on va la voir. Lève-toi, viens. Allez, lève-toi, lève-toi. Dépêche-toi, lève-toi, on y va. Hein? N'est-elle pas mon amie? C'est tellement évident que c'est pour une affaire très sérieuse qu'une mère peut chasser son enfant ou sa fille de la maison. Maman Ruth, je sais que ton cœur a beaucoup d'amertume, mais n'oublie pas que Ruth qui est ici devant nous est ta seule enfant. Donc c'est la raison pour laquelle elle a décidé de me tuer avant mon heure. C'est ça la raison? Non, patience. Hein? Comment une enfant peut vouloir délibérément tuer sa propre mère? Je suis sûre que ce qu'elle a fait, ce n'est qu'une erreur. Et l'erreur est humaine. Celle qui peut éviter l'erreur, c'est seulement Dieu. Oui, maman. Je t'en prie, pardonne-moi, pitié. J'ai été déçue, maman. Déçue? Déçue par qui? Qui t'a déçue? Lorsque je t'ai parlé ici, dis-moi, est-ce que tu m'avais entendu? Ok. Vas-y, réponds. Sois, hein, calme-toi. Maman, désolée. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que tu as entendu ce qu'elle vient de dire maintenant? S'il te plaît. Ok, laisse-moi te demander. Ah, laisse-moi d'abord. Étais-tu violée?
t'es-tu violée? Vas-y. Tu vois, elle n'arrive plus à parler maintenant, hein. Ok. C'était bon, n'est-ce pas? C'était très bon. La question à lui poser, c'est de lui demander c'est qui le responsable. Teresa, je m'en fous. Que ce soit un pousse-pousseur ou n'importe qui, je m'en fous. Je m'en fous du responsable. Ruth, Ruth, je te prie d'être ouverte. Dis-nous, c'est qui est le responsable de cette grossesse? On avait des bananes plantains, c'est juste que maman avait commis une erreur. Il n'y a aucun problème. T'inquiète, j'arrive. Hein? L'argent. Ok, l'argent? Oui. Ok, je vais te le donner. Ruth, tu vois, ça fait longtemps que je te parle concernant quelque chose. Mais tu ne m'as donné qu'une réponse positive. Mon frère, s'il te plaît, pas ça. Je crois déjà t'avoir dit que j'ai un petit ami, donc je ne peux pas. Un petit ami? T'as un petit ami? Ok, maintenant, dis-moi. Concernant l'examen dont tu m'as parlé, est-ce que ton petit ami peut te donner l'argent? Non, dis-moi, est-ce que ton petit ami peut te donner l'argent pour t'inscrire? Mais moi, Ken, je peux te donner le double de cet argent. Et tu le sais. Regarde cette boutique. Hein? Hey, regarde, tu sais que j'ai assez d'argent. Alors, il y a quoi? Va prendre l'argent chez ton petit ami pour l'examen. Si... Ok, alors donne-moi d'abord l'argent. Allons à l'intérieur, tu sais que ma caisse est dedans. Je te le donnerai quand on aura fini. Je ne peux pas te décevoir, hein? Maintenant, allons-y. Hi, bébé. Ah. L'argent que viens-je te donner, hein, je te dis, c'est très, au fait, c'est très petit comparé à ce que tu auras après. Je te promets. Il est temps pour moi de rentrer chez moi. Un peu de souris, non? Souris, non? Hein? Ah, ah. Je ne vais pas te perdre. Je comprends, ma chérie, je sais que je te manquerai. Tu sais, c'est pourquoi quand je suis prêt pour voyager, j'ai décidé de te voir avant de partir. Parce que je ne sais pas quand je serai de retour. C'est pour ça que je ne veux pas que tu partes. Tu vas beaucoup me manquer. Calme-toi, mon amour, calme-toi. Écoute, ce que je veux que tu fasses pour moi en ce moment, c'est de prier. Prie pour moi. Prie pour que quand j'arrive à Wari, tout soit réussi. Et si cela arrive, hein? Je reviendrai pour t'épouser. Tu vois,
Elle n'arrive plus à parler. Parle. Tantine. Pourquoi tu veux tuer ta mère? Comment pourrais-je tuer ma maman d'amour? Ce que tu es en train de faire brise le cœur de ta mère. Cela amène des insuffisances cardiaques à la crise cardiaque et qui conduit à la mort. Chère Teresa, c'est regrettable que tu perdes ton temps avec cette fille. J'ai déjà une idée avec moi. Et personne ne va me l'échanger. Aucun bâtard ne peut entrer dans ma maison. Je ne peux pas le permettre. Ruth, j'ai déjà décidé et point barre. Ruth, s'il te plaît, parle. As-tu peur? Ha! C'est... Oh, tu es maintenant devenue une muette. Je ne peux plus parler. Parle! C'est de mon petit ami. Lequel? Johnson. Parmi tous ces garçons de ce village, tu n'as vu aucun. Tu n'as vu que cet idiot de Johnson. Ce vaurien de garçon qui est sans emploi. Hey! Ok. C'est un peu te Teresa, calmer. C'est très sûr que tu veux vraiment me tuer. Vas-y, fais-le. Juste à cause de ce vaurien. Oui, ça va. Trouvons. Tu m'as juste poussé à la mort. Non, ne dis pas ça. Est-ce que ce qu'elle a fait là est normal? Non, c'est pas normal ça. Viens mon frère, viens écouter. Viens voir ce que je vois ici. Hey, viens mon frère. C'est toi disant viens écouter, viens. Qui ne veut pas que je prenne elle est là, elle est là. Mon propre gobelet. Où est-elle? Hein? C'est toi, Ruth, tu es encore là. Vas-y. Patience. Qu'est-ce que je fais moi? Vas-y. Nous devons chercher comment trouver la solution au problème. Elle est déjà enceinte. Tout ce dont nous avons besoin ici, c'est de savoir ce qui est responsable de cette grossesse. Pico. Pico. Puisque tu as décidé délibérément de prendre la vie de ma soeur, tu veux tuer ma soeur. Je vais te tuer. Mon frère, tue-la. Vas-y, tue-la, mon frère. Je vais te tuer. La tuer. Et je vais tuer. Mon frère, vas-y, tue-la. Et je vais te tuer. Oh, laisse-la. Mon frère, tue-la. Qu'est-ce que tu attends pour la tuer? Vas-y, fais-le. Naï, s'il te plaît. Je t'en prie. Pitié, tonton. Pardon. Pitié. Ruth se fout de ma gueule. Hey! Ruth, d'ailleurs, pour qui elle se prend? Moi, Ruth, moi, tu me défies, on verra. Ruth! Mais pour qui elle se prend? Oh, Ruth, oh, tu as oublié qui je suis? Moi, Ikobi. Oh, Ruth, Inambwam, je vais m'occuper de toi. Ruth, et donc, tu as dit que ma soeur ne sera jamais en paix, alors... Toi, Ruth, moi aussi, je dis que tu ne seras jamais en paix. Je vais m'occuper de toi, Ruth. Attends, on verra. Allô? À qui ai-je l'honneur? Bébé? Pourquoi pleures-tu? Tu as quoi? Attends, dis encore, tu as quoi? Tu es enceinte? Hey! Hey! Tu es enceinte? Bébé, écoute, c'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais entendue dans ma vie. Durant toute ma vie, la meilleure nouvelle, ça mérite d'être célébré. Calme-toi, écoute-moi. Ne blâme pas du tout ta mère. Ne la blâme pas. Écoute, si c'est ce qu'elle veut, alors il n'y a pas de problème. D'accord? Oh, t'inquiète. Je viendrai te voir tout de suite. Une fois que j'ai quitté ici, je viendrai te voir. Et la rencontrer aussi. Oui. Mais dis donc, c'est dingue. Ouais, bébé, écoute. La pierre rejetée sera bientôt la pierre angulaire. J'ai l'habitude de dire aux gens que rien n'est éternel dans cette vie. Oui!
Tu n'as pas à avoir soucié de quoi que ce soit. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime aujourd'hui, je t'aime demain, pour toujours. Hey! Mais attendez, donc je vais avoir un Johnson Junior. Du genre, un garçon. Hey! Dieu! Dieu, tu es merveilleux! D'abord, que je te danse Shaku Shaku Jésus-Christ. Hey! Hey, Bouga! Hey! Shawa, you're blessed! We want this money! Hey! Salut, salut! Qui est ici? Tu dors au lieu de vendre? Hey! Dans ce cas, je vais me servir. Mon intuition me dit que je suis responsable de sa grossesse. Ouais. Ou bien, c'est de cette façon que Dieu veut que je l'épouse. Mon intuition ne me trompe pas. Mon intuition ne me trompe pas. Ah, ouais. À l'espoir. Aucune situation ne reste permanente. Sois un peu réfléchi. D'ailleurs, tu as de la chance, il a accepté, il assume d'être le responsable de la grossesse. Et il est même prêt à t'épouser. Oui. Mais la façon dont ma mère me traite, c'est comme si j'étais la première fille au monde qui tombe enceinte chez ses parents. C'est pas bien. Et tu sais, tu n'as pas à blâmer ta mère, hein? Tu sais, toutes les mères du monde agiront de la même façon. Enfin, bientôt tu seras une mère. Et tu sauras comment ça fait mal d'être offensé par un enfant. Je veux juste que tu te remettes. C'est aussi ce que je veux. Ok, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, écoute-moi. Es-tu allé à l'hôpital pour un examen approprié? Juste des médicaments achetés? Simples médicaments? Non, 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 non. Écoute, bébé, je ne veux pas que quelque chose t'arrive et à mon futur bébé aussi, s'il te plaît. D'accord, ok, cesse de pleurer, cesse de pleurer, cesse de pleurer. Je vais appeler Tiki de venir te voir, ok? Je vais appeler Tiki tout de suite. Je t'aime aussi. Cesse de pleurer, non? Quelle est cette intention? Quelle est cette intention? Hein?
qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis désolé de venir si tard. En fait, l'embouteillage à Wari était terrible. Je suis désolé. Mais je suis ici pour répondre à mon acte. Oui, s'il vous plaît, je suis très désolé de mettre votre fille dans cette condition à son âge. La vérité est que je veux la marier. Hein? Donc tu veux épouser ma fille? Oui, maman. Hein? Tu dois vraiment être stupide. Tu es vraiment bête. Maman, même si je suis bêtement amoureux de votre fille. Je l'aime beaucoup. Je crois que tu as été envoyé ici pour rechercher ma mort. Ma belle-mère, je ne suis pas ici pour détruire votre famille. Je l'aime beaucoup. C'est pourquoi je suis ici. Et le ciel sait que je l'aime de tout mon cœur. Peux-tu imaginer? Il ne fait rien dans la vie et il veut épouser ma fille. Es-tu normal? Maman, vous savez, gens différents, idées différentes. Il y a tant de gens qui réussissent dans la vie. Même les pousse-pousseurs, parfois ils deviennent des grands messieurs, des grandes personnalités dans la vie. J'ai même un ami qui réside à Onitsha. À Onitsha Obuago, il est maintenant un grand homme d'affaires. Oui, je suis un jeune homme qui a de l'avenir et je crois que je vais aller réussir là-bas et revenir ici amener votre fille en ville. Je vais même l'envoyer à l'étranger. S'il vous plaît, je vais l'épouser. Et je suis sérieux sur ce point. Ruth. Je crois que tu es prête à transporter cette croix toi-même. Je crois que tu es capable. Johnson. Ne me provoque pas. Ne me provoque pas, Johnson. Ma soeur, relax, non? Relax. Nous ne sommes pas là pour se disquitailler. Nous ne voulons que la paix pour notre fille. Ma joie est surtout que ce jeune homme n'a pas nié notre fille. C'est tout. À Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise, papa. Je ne peux pas renier mon futur bébé. Jamais. Mon futur bébé, qui te l'a donné? Dis-moi c'est qui? C'est bien. Mon futur bébé. Ok. Jeune homme, je te conseillerais de réunir tes parents. Qu'ils viennent et qu'on établisse le planning du mariage. Vraiment? Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Qu'il te bénisse. Merci, aussi. Monsieur. Qui est devant moi? Ça va. Je vais te gifler, hein. Bye. Qu'est-ce qui te prend? Je n'aime pas ça, entre mon frère, non, je suis pas d'accord avec ça. Non. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu parles comme ça à ce garçon? Et tu t'attends à ce que je fasse, quoi? Que je les chasse après avoir engrossé notre fille comme et ça? Et alors? Je ne veux pas. Non, en tout cas, je n'apprécie pas du tout la façon dont tu lui parles. Je n'aime pas. Bien, tu n'as pas de choix. Écoute, tu vois ce que tu as fait. Non, mon frère, non, en tout cas, je n'aime pas ça. Hey. Tu n'es qu'aimé. Qu'est-ce que tu racontes? Sais-tu pourquoi j'ai pitié de toi? Hein? Parce que quand tu vas commencer à souffrir avec ton futur bébé que tu as, tu vas regretter. Je suis désolée. Désolée? M'as-tu vu souffrir? Hein? Mais vas-y, réponds-moi. Aie pitié de toi-même. Pitié de toi-même. Où est mon problème? Toutefois, chacun de nous a sa croix. Tu as ta propre croix et moi j'ai la mienne. Oui. Ruth. Tonton. J'aimerais te poser une question. Es-tu prête pour le mariage? Oui, mon oncle. Ruth, tu vois, le mariage n'est pas un lit de roses, comme tu le penses là. Toutes les choses là ne sont pas des roses. Tu dois le savoir. Je vais te reposer la question. Es-tu prête pour le mariage? Mon oncle, je le suis. Ne laisse pas la désespérance de t'impliquer dans quelque chose que tu vas regretter toute ta vie. Ruth, es-tu prête pour le mariage? Mon oncle, je suis prête.
Elle est prête. Ah, où est alors mon problème? Dois-je m'inquiéter? Dois-je avoir l'air inquiet? Où est mon problème? Qu'elle porte sa croix, moi aussi j'ai la mienne. Pourquoi est-ce que tu m'informes? Écoute, ma soeur, tu comprends très mal les choses. Elle est prête pour le mariage. Mon frère, ça m'est égal. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Ok, attends. Donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Ah, tu penses que je blague? Donne-moi, va au diable. Bonjour maman. Qu'est-ce qui est bon pour la journée? Laisse-moi tranquille, lève-toi. Lève-toi vite, va derrière et fais-moi tous les travaux qui sont là-bas. Sinon je vais te faire du mal. Ah, lève-toi vite. Moi? Non, ton père. Ruth! Lève-toi. Veux-tu que je te fasse du mal maintenant? Hein? Lève-toi et va là-bas derrière, vite. Maman, permets-moi de finir mon sommeil. Hier, je m'étais couchée très tard. Oui, parce que tu étais consultée par ton meilleur... Lève-toi, vite. Va là-bas derrière, vite. Alors, laisse-moi seulement 2 heures. Avant que je ne puisse fermer mes yeux et les ouvrir, je veux te voir derrière maintenant. Et je veux que tu le fasses vite. Lève-toi de là, vas-y vite. Thank you.
Madame Ruth, donne-moi manger, non, j'étais là depuis longtemps. Hein? Tu as servi d'autre là, mon tour, pourquoi? Oh, c'est quoi même non, j'ai fait non. Attendez-moi, j'arrive, pardon. Mec, tu parles sur mon repas, non, mais c'est quoi ça? Ruth! Oui? Quand est-ce que tu vas m'amener de l'eau? Je t'avais demandé depuis longtemps, non? Oh, désolé. Jay! Dépêche-toi! S'il te plaît, apporte deux. Je n'arrive pas à comprendre ça. Dépêche-toi! Tu devrais faire ça depuis longtemps. C'est ça. Tiens, j'ai perdu mon temps ici. Oh. Nawao, un corps bien fait. Ruth. Ruth. Oui? Ne penses-tu pas que tu devais emmener la nourriture chez Monsieur Ken? Oh, ça m'était sorti de l'esprit. Oh, s'il te plaît, depuis aujourd'hui, c'est mardi. Oui. Je crois qu'il apprécie les ignames et les poulets, n'est-ce pas? Oh oui, les ignames et les poulets, il aime ça. C'est vrai. Attends, j'arrive avec. Fait. Attends. Ça fait une semaine que Ruth ne m'a plus apporté de la nourriture. Est-ce à dire qu'elle a quitté ce village? Peut-être à cause de sa grossesse. Que veut dire ceci? Je suis fatigué de prendre ce pain et de la coca. Chaque fois, c'est gala, gâteau, biscuit, hein, sucrerie. Chaque fois. Je veux ces haricots. Ces haricots et plantains sont plats délicieux. J'aime sa cuisine. Ah! Thank you.
Ah ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas là. Hey, Ruth, il a toujours dû délaisser la nourriture, même s'il n'est pas présent. Hein? Maman, la boutique est fermée. Hein? D'accord, dépose ça alors là-bas. J'espère que mon bébé donne de bons coups de pied. Comme, allez, c'est au hobby. Oh, tu aimes Victor Moses. Ok, bien, ils sont tous de bons joueurs. Oui, Joseph Yobo, Emilike, Mikel, ils sont tous de bons joueurs. Ok, mon amour. J'espère que tu ne pleures plus. S'il te plaît, ne pleure plus, ok? Ouais, bébé, je dois l'avouer, Dieu est de mon côté. Mes affaires, et tout va bien. Hé, mon amour, tu sais quoi? Nous allons nommer cet enfant Yonboun. Tiens, bébé. Tu aimes ce nom? Tiens, bébé veut dire Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Ok. T'inquiète pas, tu vas aimer. Je t'aime aussi. Ouais. Tu es ma meilleure. D'accord, prends soin de toi. D'accord. Madame, tu as de l'œuf? Deux œufs. Je peux voir. Alors, qu'est-ce qui t'amène dans mon shop? J'espère qu'il n'y a pas de problème. Bien, mon oncle, je viens ici par rapport aux questions que tu m'avais posées il y a 4 jours. Alors, as-tu pris ta décision? Oui, mon oncle. Alors, quelle est ta décision? Bien. J'ai décidé de me marier avec Johnson. Es-tu sûr? Ruth, ma fille, le mariage, c'est la gérance. Le mariage, c'est la tolérance. Le mariage, c'est l'endurance. Regarde, le mariage, c'est une institution qui admet plusieurs personnes de différents âges. Je sais pourquoi je te dis ça. Pense vraiment bien. As-tu pris la décision de te marier? Oui, mon oncle. J'aime Johnson de tout mon cœur. Et je sais qu'il m'aime aussi. Et il fera tout pour prendre soin de moi. Oh, demain. Très bien, alors. C'est ton choix. Ton choix. Attendons les gars qu'ils viennent avec sa famille, alors. Oya, j'espère que tu as soif. Hein? Laisse-moi te trouver de l'eau, n'est-ce pas? Mon oncle, pas de problème. Je vais bien. Oh, t'es sûr? Ok. Bye. Dis salut à ma soeur. Oh. Salut-la de ma part. Oh, ma chère, la vie est tellement courte. Et tu connais ta condition. Ne laisse pas les oppressions de ta mère te mettre en danger. Que veux-tu que je fasse? Ma mère refuse de me pardonner. Elle continue toujours à dire que j'ai terni l'image de la famille. Elle est juste en train d'exprimer sa désolation. Hein? Aucune mère n'acceptera sa fille avec cette condition. Je sais. Mais c'est pas de cette façon qu'on corrige quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'elle te hait. Ta mère t'aime beaucoup. Elle est juste en train de te montrer que ce que tu as fait n'est pas correct. Alors ne te laisse pas avec toutes ces émotions. Écoute, Déborah, merci beaucoup pour tout ce que ta mère fait. Ni t'était l'intervention de ta mère. Dieu seul sait ce qui m'aurait arrivé. Merci beaucoup. C'était juste pour t'aider. C'est pas un problème. Ruth. Ah.
belle fille. Hey, n'essaye plus jamais de me toucher. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ceci? T'es-je offensé? On y va, mon ami. Ruth, je t'aime. Ouais, c'est ça. Ok, monsieur l'amoureux. Moi, je te déteste. S'il te plaît, fiche-moi la paix. Tu me détestes? Ruth, pourquoi? Bien. C'est l'un des clients de ma mère. Il ne fait que me déranger. Je lui ai déjà dit mille et une fois que je ne suis pas intéressée, mais il fait le sourd d'oreille. Regarde-le. Il joue un garçon sérieux, mais pourtant, personne ne croira que c'est un vrai surnom. Ta mère et moi, nous allons conclure ceci. Je t'épouserai. Je sais que tu es ma femme. Je ne sais même pas pourquoi elle ne m'aime pas. Après tout ce que j'ai dit, je ne sais même pas pourquoi elle ne veut pas m'écouter. Regardez ce qui s'est passé maintenant. Je suis venu pour la voir, elle m'a quitté. Quel mal ai-je fait? Calme-toi, hein? S'il te plaît, prends place. Assieds-toi. Je ne sais pas pourquoi elle me traite comme ça. Tanti, s'il vous plaît, est-ce que vous savez si Ruth est là? Elle a dit qu'elle est allée faire quelque chose. Tanti, s'il vous plaît, je veux que vous m'aidiez à l'informer que je viendrai avec mes parents dans les deux prochaines semaines. Je vais juste lui faire part de mon intention. Oui. Ça, c'est bien. Oui, j'ai aussi apporté ceci pour elle. Oh. Dites-lui que John sait. Merci lui beaucoup. Lui a apporté ceci. C'est petit, merci, mais elle n'a qu'à gérer ça. Ok, c'est bien. Comment se passent les préparatifs de ta cérémonie? Mais tu sais, dis-moi, tu as un souci avec le cours? Non, pas ça. Tu sais que ça avec moi, là, ça ne marche pas, non? Moi, je n'écris plus. Tu n'écris plus? Mais pourquoi? Mais tu devais être en train de le faire, non? L'université n'est pas faite pour tout le monde. Ce n'est pas pour moi. Je prie seulement que Dieu bénisse Johnson demain. Bien. Mais je pense que tout fait partie des études seulement, non? Je vais perdre mon temps. Non, tu n'as pas à dire que c'est une perte de temps, ma chère. Alors continue d'écrire. Mais pourquoi? Tu devais écrire toi aussi. Surtout, je veux que vous m'aidiez à dire à sa mère que je n'ai pas intentionnellement mis sa fille enceinte. J'aime Ruth de tout mon cœur et mon intention à son égard est sincère. En fait, je vais l'épouser. Es-tu sûr? Oui, je vais l'épouser. Je la chéris tellement. Vous voyez? Oh bien, elle est là. Ah, Ruth. Ok, merci.
beau-fils. La plus grande belle-mère. Mon beau-fils, pourquoi tu as disparu comme ça, hein? Combien de temps comme ça? Maman, tu es de retour? Bon après-midi. Ma femme, comment tu vas? Maman, je pars me soulager. Rassure-toi de revenir maintenant même, maintenant. La belle-mère numéro 1 en Afrique de l'Ouest. Hey, t'es superbe. Mon beau-fils. Ma belle-mère, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma femme, non. Elle ne m'apporte plus de la nourriture. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Elle était venue dans ton shop. Et elle m'a dit que tu avais voyagé. Moi, voyager? Depuis quand? D'ailleurs, même aujourd'hui, regarde la nourriture. Elle vient de revenir. Elle m'a dit que ton shop est fermé. Ken, moi, voyager? Non, je n'ai pas voyagé. Au fait, ça fait 2 mois que je n'ai pas voyagé. C'est étrange. Es-tu sérieux? Maman, ceci m'est complètement étrange. Je n'ai... Tu veux dire que tu n'as pas voyagé? Vais-je te mentir? Je suis sérieux, j'ai pas voyagé. Il n'y a pas de problème. Alors, bienvenue. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Oh, t'inquiète. Hein? Tu m'as menti qu'il a voyagé. J'ai toujours préparé dans cette maison. Va déposer à Ken. Et je me montre que Ken a voyagé. Quand est-ce que tu avais vu Ken voyager? Dis-moi aujourd'hui. Vas-y. Hein? Parle maintenant, non? Parle. Vas-y, parle. Désolée. Tu n'arrives pas à parler. Vas-y, parle. Parle, je te... Regardez-moi cette fille, mon Dieu. Je peux te tuer, mais je peux même te tuer aujourd'hui. Je vais te tuer. Regarde-moi cet enfant. Tu cherches des problèmes ou quoi? Hein? Qu'est-ce que tu me veux? Qui est arrivé à ton visage, hein? Qui t'a fait ça? Ejike, c'est ma mère. Ta mère? Désolé, oh. Ta mère doit être méchante, hein? Désolé, hein?
As-tu les nouvelles de Johnson? Johnson, non. Ok, oui, oui. On a parlé la nuit dernière et il avait dit quelque chose du genre qu'il va t'envoyer de l'argent. Son téléphone ne passe pas, donc je ne sais pas s'il va bien. C'est peut-être un problème de connexion, oui. Ou peut-être il n'a pas de charge. Essaye la prochaine fois, ça va passer. Ok, merci. De rien. Alors, comment se passent les affaires? Oh, les affaires? Bien, on fait de notre mieux, petit à petit. Eh ben, c'est bien alors. Ok, très bien. Ça va. Juste prends soin de toi-même. Et s'il te plaît, sois très prudente avec ta mère. Pour qu'elle ne te tape plus, hein? Je le ferai. Merci. Ok, c'est bon. Bye. Bye. Je disais, j'aimerais te rejoindre, si c'est pas aujourd'hui, même demain. Ou soit tu ne comptes plus m'épouser. Oui. Ma mère va me tuer. Ok. Bye. Ruth! Ruth! Maman? Mais pourquoi elle peut te taper jusqu'à ce point? Te rappelles-tu de cet homme qu'on avait croisé quand on revenait de l'église? Oui, je me souviens. Oui, ma mère a enfin découvert que je mentais en disant que je lui apporte de la nourriture ou que je ne le faisais pas. Fais-moi comprendre. Et pourquoi ces mensonges? Ou tu as une affaire avec le monsieur? Oh, qu'est-ce que tu racontes? Jamais! Je n'en peux plus de toutes ces provocations. Je déteste voir même son visage. Il te fait des avances, tu dis, et tu n'as même pas raconté à ta mère. Tu ferais mieux de dire à ta mère tout ce qui s'égare, tu racontes. Ah, si seulement tu connaissais le genre de mère que j'ai.
Ma chère mère aime vraiment beaucoup ce jeune homme. Sérieusement? Et elle espère qu'il puisse me marier. Mais normalement, tu dois faire ton propre choix, non? C'est pas ta mère de faire un choix pour toi. Ma mère ne sait pas du tout cela. Ah, en ce cas, c'est pas intéressant. Ma mère est très différente de la tienne. Hein? Elle ne peut jamais me forcer à une relation. Tout ce qu'elle fait, c'est de me conseiller. Et moi, je fais mes choix. Espérons que ta mère comprendra. Hein? Ma chère, je crois que je dois partir avant qu'elle ne se mette à prier. Ok, bien. Laisse, je vais porter pour toi. Ah, ah, tu vas me rendre par T'inquiète. Et pourquoi sommes-nous amis? Laisse-moi faire. Heureusement que je t'ai rencontré ici. Mais comment vas-tu? J'étais en train de venir chez toi, mon ami. Hey, partons alors. Non, comme nous nous sommes vus déjà, laisse-moi te le dire ici. Je crois qu'il n'y a pas de problème. C'est au sujet de ta fille. Elle était venue hier dans ma boutique. Mais comment tu veux la battre jusqu'à ce point? Hein? Elle n'a encore rien vu, ma chère. Je te jure qu'elle n'a encore rien vu. J'ai pas encore fini avec elle. De faire ça, c'est trop cruel. Elle devait aller m'accuser à la police, ah oui. Pardon, il ne faut pas la battre comme ça. Tu connais bien sa condition. Alors, où est mon problème à propos? Sa vie, c'est ça ton affaire, oh. Parce que si quelque chose lui arrive maintenant la même, toi, tu seras la première à crier. Hey, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Je jure devant Dieu. Qui? Moi? Toi pour qui? Hey, tu parles parce que tu ne me connais pas vraiment bien. Ce n'est pas ce que tu penses, oh. Hein? Teresa, moi, tu ne me connais pas. Hé, hey, maman, écoute, s'il te plaît, laisse-moi te poser une question. Est-ce que je peux te poser? Oui. Ok, bien. Est-ce que Rip n'est pas l'ami de ta fille? Bien sûr que oui. Pourquoi est-ce que l'autre fille n'est pas enceinte? Pourquoi n'est-elle pas enceinte? Patience. On n'a pas tous la même vie. Oh, okay. Oui. Sais-tu combien de filles qui avortent tous les jours? Heureusement que cela ne peut jamais arriver à ma fille. Ça allait être une bonne option pour elle d'aller faire l'avortement. Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as bien entendu. Hey, ça allait vraiment être une très bonne chose. Au lieu qu'elle porte ses bâtards et qu'elle m'amène la honte comme ça. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Laisse-moi parler, je suis libre. Les gens t'écoutent. Je dois parler, laisse-moi. Qui? Je m'en fous qu'ils m'entendent. Ils veulent même ouvrir leurs yeux et me regarder. Arrête, laisse-moi tranquille. Pourquoi ne pas le dire? Les murs ont des oreilles. Même s'ils ont les nez et les yeux, je m'en fous. Très bientôt, tu vas très bien me comprendre. Tu vas voir, très bientôt, je vais le dire à tout le monde dans cette communauté. Et tu vas voir. Vraiment? Il n'y aura rien. C'est ce que tu dis. Laisse-moi tranquille. Et alors, qu'est-ce que tu vas me faire? Hein? Écoute, laisse-moi tranquille, pardon. Pardon. Je m'en fous, pardon. Laisse-moi, hein. Ne me parle plus de ça, oh. Je t'en prie, pardon. Mais, allons-y, c'est quoi?
mon bébé. Oh. Écoute, je vais te dire quelque chose. J'ai cette ferme condition qu'avec le temps, ta mère acceptera notre relation. Tu ne connais pas ma mère. C'est une femme très entêtée. Quand elle dit oui, son oui reste oui. Et quand elle dit non, c'est toujours non. Je vais te poser une question. Est-ce que ta mère est Dieu? Non. Tu sais, c'est seul Dieu qui peut dire oui. Et son oui reste oui. Je crois qu'avec le temps, ta mère va changer. Fais-moi confiance. Je l'espère aussi, mais je suis impatient de vivre avec toi. Tu me manques. Mon amour, t'inquiète pas. Tu me manques aussi. Écoute, dans cette vie, on doit aller étape par étape. D'accord? Ok. Relâche-toi, tu iras mieux et tu viendras me voir certainement. D'accord? Ok, je t'aime. Je t'aime plus. Allez, viens. Tu pouvais te permettre que ces choses t'arrivent de cette façon. Maintenant, tu veux dire que deux hommes sont responsables de ta grossesse. Tu t'es mis dans ce trouble juste à cause d'Arzon. Je ne sais pas pourquoi et comment je suis tombée dans son piège. Écoute, laisse-moi te dire. Les hommes savent que les femmes sont tellement désespérées. Ils utilisent ça pour nous avoir. C'est un piège pour lui de t'avoir avec cet argent qu'il t'avait donné. Je suis confuse. Je ne connais pas les responsables de ma grossesse. Je ne sais pas si c'est lui ou Johnson. Je me souviens, tu avais vu l'autre jour la Johnson, juste quelques minutes après lui. Oui. Ça devient très sérieux, très délicat. Mais c'est Johnson que j'aime. C'est avec lui que je vais me marier. Ma chère, trouver la personne que tu veux épouser ou être avec n'est pas le problème maintenant. Ah, t'inquiète. Dieu va t'aider, hein? Ça va aller. Ok? Ok? Dieu va t'aider, ça va aller. Ok. Je t'ai appelé ici pour que tu me dises la vérité. Ruth, sais-tu que l'esprit de ton défunt père n'est pas heureux avec toi, hein? Le sais-tu? Mon oncle, je suis confuse. Comment ça tu es confuse? À présent, je ne sais plus qui est l'auteur de ma grossesse. Comment ça, tu ne sais pas? La vérité, c'est... La vérité est que... J'ai couché avec tous les deux le même jour. Thank you.
écoute. Mon frère, on avait des bananes plantains. C'est juste que maman avait commis une erreur. Il n'y a aucun problème. T'inquiète, j'arrive. Hein? L'argent. Ok, l'argent. Oui. Ok, je vais te le donner. Ruth, tu vois, ça fait longtemps que je te parle concernant quelque chose. Mais tu ne m'as donné qu'une réponse positive. Mon frère, s'il te plaît, pas ça. Je crois déjà t'avoir dit que j'ai un petit ami, donc je ne peux pas. Un petit ami? T'as un petit ami? Ok, maintenant, dis-moi. Concernant l'examen dont tu m'as parlé, est-ce que ton petit ami peut te donner l'argent? Non, dis-moi, est-ce que ton petit ami peut te donner l'argent pour t'inscrire? Mais moi, Ken, je peux te donner le double de cet argent. Et tu le sais. Regarde cette boutique. Hein? Et regarde, tu sais que j'ai assez d'argent. Alors, il y a quoi? Va prendre l'argent chez ton petit ami pour l'examen. Si... Ok, alors donne-moi d'abord l'argent. Allons à l'intérieur, tu sais que ma caisse est dedans, je te le donnerai quand on aura fini. Je peux pas te décevoir, hein? Maintenant, allons-y. Hi, bébé. L'argent que viens-je te donner, hein, je te dis, c'est un petit comparé à ce que tu auras après. Je te promets. Il est temps pour moi de rentrer chez moi. Un peu de souris, non? Souris, non? Hein? Je ne vais pas te perdre. Je comprends, ma chérie. Je sais que je te manquerai. Tu sais, c'est pourquoi quand je suis prêt pour voyager, j'ai décidé de te voir avant de partir. Parce que je ne sais pas quand je serai de retour. C'est pour ça que je ne vais pas que tu partes. Tu vas beaucoup me manquer. Calme-toi, mon amour. Calme-toi. Écoute, ce que je veux que tu fasses pour moi en ce moment, c'est de prier. Prie pour moi. Prie pour que quand j'arrive à Wari, tout soit réussi. Et si cela arrive, hein? Je reviendrai pour t'épouser. Johnson. Je suis désolée, Johnson. Tu la fermes. Tu la fermes, ta sale gueule. Tu la fermes. Ruth, tu m'as déçu. Ruth, tu m'as déçu. Tu as tout bousillé. Après tout l'amour que je t'ai prouvé, c'est comme ça que tu vas me payer en retour. Tout ce qu'on a partagé ensemble, c'est comme ça que tu veux en finir. J'étais engagé dans cette relation. Et oui, je faisais tout juste afin qu'on soit heureux. Afin qu'on devienne madame, monsieur et vivre sous le même toit. Pourquoi pourrais-tu me faire ça?
Tu es tout bousillé. Tu as bousillé l'amour que j'ai pour toi. Tu as bousillé l'attention que je t'accorde. Tu as tout bousillé. D'ailleurs, va au diable. Ruth, je dis, va au diable. Je ne t'aime plus. Je te déteste. N'appelle plus jamais ce numéro. N'appelle plus jamais ce numéro de toute ta vie. Pourquoi tu me ferais ça, Ruth? Pourquoi tu me ferais ça? Je te déteste. Je te déteste. Va au diable. Johnson. Johnson. Non! 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 Ruth, non! Je t'aime! Qu'est-ce que cela veut dire pour l'amour de Dieu? C'est un crime d'aimer! C'est un crime d'aimer! C'est un crime d'aimer. Ruth, tu m'as déçu. Tu m'as déçu, je ne te pardonnerai jamais. Je ne te pardonnerai jamais pour ça, je ne te pardonnerai jamais. Que veux-tu dire? Attends. Que veux-tu dire? Écoute, laisse-moi te dire. Si tu vas considérer mes conseils, écoute, mon ami, tu es trop jeune pour épouser cette fille. Oui. Ok? Écoute, tu es trop jeune pour entrer dans une prison pareille, ok? De quoi parles-tu? Tu n'es même pas sûr de ce que tu dis. Écoute, je ne suis pas trop jeune pour une quelconque prison. Sais-tu quel âge j'ai? Ok, je peux entrer dans n'importe quelle prison tant que cela concerne Ruth, mon amour. Je peux. Calme-toi, tu ne me comprends pas. Ok? Écoute, comme ton ami, ton meilleur ami, si tu me demandes un conseil, je te dirais de faire comme Pierre. Juste, fais comme Pierre. Chiké, si je dois te comprendre, qu'est-ce que tu veux dire par fais comme Pierre? Tu me fais rire. Je pense que tu ne vas pas à l'église. Ok? Bien. Dis-moi, qu'est-ce que Pierre avait fait à Jésus dans la Bible? Pierre? Mm-hmm. Non, dis-moi, je ne comprends pas bien ce que tu veux dire. Ni là. C'est ça. Que je renie ma femme. Oui, ni non. Là, c'est aussi simple que ça, je ne sais pas ce qui te complique. Que je renie ma femme. Je suis en colère contre toi en ce moment. Je te prenais pour un vrai ami, c'est ce que tu me conseilles? Donc je suis venu pour me confier à toi à cette heure. Tu me demandes de refouler ma femme, celle que j'aime tant. Quel genre d'ami tu es? Tu ne m'as jamais aimé. Non, calme-toi, j'essaie juste de te dire ce qui est mieux pour toi. Rien n'est mieux pour moi dans ça, Jigé. Ce que tu viens de me dire est de n'importe quoi, de l'absurdité, ça n'a pas de sens. Si c'est comme ça que ton père t'a fait venir au monde, tu ne serais pas en vie aujourd'hui. Écoute. Ne m'insulte pas, ne m'insulte pas. Ne m'insulte pas parce que j'essaye de t'aider. J'essaie de t'aider et cela ne te donne pas l'autorisation de m'insulter. Je n'ai pas besoin de cette aide.
Je dis bien, je n'ai pas besoin de cette aide. Va aider tes bons à rien d'amis. Johnson, juste calme-toi, ok? Essaie d'y penser, c'est pour ton bien. Oui, c'est pour t'éviter toutes ces pressions et tous ces maux de tête. Juste nie là et tout prendra fin. Chike, si tu veux vraiment m'aider en ce moment, j'ai besoin d'eau. Un verre d'eau m'aidera. Je suis désolé, je ne sais pas où prendre de l'eau, juste calme-toi. Alors laisse-moi tranquille. Ok, je vais te laisser, je m'en vais. La dénier. Quelle raison je vais donner? Est-ce que ce gars est vraiment mon ami? Un vrai homme ne pleut pas. Je sais quoi faire. Et oui, je sais quoi faire. Naï, nous sommes ici pour demander la main de ta fille en mariage. Vous avez très bien parlé, mais... il y a un problème. Quel problème? Oui, un très grand problème. La vie de ma fille a vraiment un très très grand problème. Je vous dis un très grand problème. Belle-mère, papa, ça c'est pas un problème pour nous. Oui. J'aime beaucoup votre fille. Exactement. Et nous avons programmé cette rencontre avant que ce problème n'arrive. Donc nous sommes prêts pour tout. Hein?
Oui, maman. Jeune homme, vous ne comprenez pas. Vous voyez, le mariage n'est pas quelque chose dont on se précipite. Hey. Voyez-vous, un autre homme est en train de revendiquer la grossesse de notre fille. Hmm? Je sais ce que ça veut dire. Bon, alors, notre famille a décidé que... avant de marier notre fille à qui que ce soit, avant même d'accepter qui que ce soit dans cette famille, nous voudrions être certains de celui qui l'a engrossé. Mais Naï... Viens, arrête mon fils, il n'y a pas de mais là, ok? J'ai dit qu'on ne va pas donner notre fille en mariage avant d'approuver qui l'a engrossé. Pourquoi de mais? Ça veut dire quoi? Papa... Je crois qu'on a fini. On a déjà parlé. Merci. Je pense qu'on doit partir. Tu as bien parlé. Attends. Papa, permettez-moi de vous poser une question. S'il vous plaît. Pour combien de temps allons-nous attendre? Ce n'est pas défini. C'est indéfini. Indéfini pour le moment. C'est indéfini. Tout le monde sait que la grossesse est 9 mois. Après 9 mois, vous n'avez pas à vous inquiéter là-dessus. Oui, 9 mois. Levez-vous et partez maintenant. Levez-vous. Partez, c'est quoi ça? En tout cas, je vous assure, quand on aura fini nos enquêtes et déterminerons qui l'a engrossé, je vais vous informer. Ok, c'est compris. Partez maintenant. Vous ferez mieux de partir. Partez maintenant. Pourquoi vous avez une insistance aveugle comme ça, hein? Oui, okay, partez. Allez-vous-en. Merci d'être venu de toute façon. Allez-vous-en. Partez. D'accord, partez. Ok, très bien. Et reviens ici. Viens prendre ton truc ici. Viens, allons-y. Je te parle, non? Viens prendre sa fille ici. Regardez-moi ces gens. Ils n'ont même pas honte, ces gens ici. C'est bon. Ça veut dire quoi, ça? Ça non, mon frère, je suis pas contente. Calme-toi, pourquoi t'enflammer? Non. Je connais tous les troubles que tu traverses. C'est pas de ma faute, s'il te plaît. Allez, lâche-moi et dégage de là, vilain type. Bébé, s'il te plaît, ma conscience ne me laissera pas tranquille. C'est pourquoi je suis revenu. Va en faire. Ruth, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'en prie. Ma mère va me tuer. Ok. Bye. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Pitié, Johnson. Je t'en prie. Je suis désolée. Tu sais bien que je serais incapable de te trahir. Je t'en prie, Johnson. J'ai été bête. Pitié. Je t'en prie, Johnson. Je te demande de me pardonner. Tu sais que je t'aime beaucoup. Je t'aime plus que tout. Je ne te ferai pas du mal intentionnellement. Pitié. Ça va.
tu sais que je te pardonne toujours. N'est-ce pas? Je te pardonne. Si je ne t'ai pas pardonné, je ne serai pas intéressé par le mariage et je ne serai pas ici à cette heure. Peut-être que tu veux me marier seulement parce que j'ai ton enfant dans le ventre. Jamais. Je sais que tu ne m'aimes plus, mais désolée. Ça va, ça va. Je t'aime beaucoup. Je t'aime du plus profond de mon cœur. D'accord? Je sais que ce qui s'est passé est une erreur, une simple erreur. Ça peut arriver à n'importe qui. Cesse de pleurer. Merci. Hey, mon fils. Ouais. Hey, mon fils, mon fils. Maman, tout maman. Tout ça pour moi? Dis-moi tout ça pour moi. Hey. 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 Check-em. Si tu n'étais pas mon beau-fils, j'allais t'embrasser, je te jure. Que je te bénisse. Amen. Hey. Maman, ceci est la jeunesse de tout ce que j'ai pour toi. Ouais. Tu sais que je suis à la hauteur de la tâche. Hey. Ça, oui, je suis bon. Je suis mon beau-fils, tu es capable de m'offrir tout ça. Pendant que je n'ai même pas encore épousé ma fille. Mm-hmm. Alors si tu l'épouses, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Ça sera terrible pour moi. Oh, mon Dieu, j'en aurai beaucoup. Il est capable. Attends d'abord, tu pourras alors m'amener tout le village, je pense, hein? Je peux tout faire pour toi, pour l'amour que j'ai pour ta fille. Je comprends. Maman, tu vois, quand j'arrive dans cette maison la prochaine fois, dans un prochain avenir, quand j'arrive, je vais t'apporter l'assurance, sachant que ce garçon a chanté Davido. Ouais, il est d'ailleurs mon ami. Maman, quand j'arrive, tu auras la difficulté à respirer dans cette maison à cause des voitures qui seront garées partout. Mercedes-Benz, Hamadji, Toyota, ça c'est pour les poulets. Il y aura Ferrari, BMW. Maman, tu vois, et on m'appellera Monsieur Assurance. Et on t'appellera aussi Maman Assurance. Attends d'abord, s'il te plaît. Tu parles du musicien là qu'on appelle Davido. Assurance, non. J'avais entendu ses chansons. Je connais sa voiture même. Maman, je vous apporterai. Oui. Ils commenceront par m'appeler Monsieur Assurance. Jésus. Mon beau fils, tape ici. Hey, dis-moi ce que tu veux. Vas-y, dis-moi. La plus grande belle-mère. C'est bien moi. J'ai atterri. Hey, oui. J'ai atterri. T'es le bienvenu. T'es le bienvenu dans ma maison, mon fils. Que veux-tu? Maman, je ne sais pas. Oui, parle, non? Parle. Hey, mon futur beau-fils. T'inquiète. Okochi. Oui, maman. C'est vrai ça? Tu veux la nourriture? Oui, attends-moi, j'arrive pour ça, fils. Ça va. Il n'y a pas de problème. Je t'emmène tout ce que tu demandes, beau-fils. Maman, tout ce qui vient de toi est bon. Oui. Tout ce que je veux. Tout ce qui vient de toi est bon. J'arrive, je veux t'emmener tous les plats que j'ai fait aujourd'hui. Hey. Maintenant, tu as parlé. La maman listique, la maman partout. Hey! Hey! Maman! T'inquiète, maman! Ma plus grande belle-mère! Maman, ma plus grande belle-mère! Hey, ma fille doit t'épouser! Oui, tu es ta femme maintenant! Je te suggère de permettre à Ruth, ta fille, d'épouser ce jeune homme. Parce que tu sais, ce qui est plus important ici, c'est son bonheur. Thérésia, je ne te comprends pas du tout. C'est pour le bien de nous tous ou bien mon propre bien. Je ne le comprends pas. Patience. Hey. Seras-tu contente de savoir que ta fille n'est pas heureuse dans son mariage? S'il te plaît, laisse-lui faire son choix, prendre son amour et profiter de son mariage comme elle veut. Mais, pour être franche avec toi, ça sera très très difficile. Très difficile, oh. Je jure. Mais pourquoi c'est si difficile pour toi de lui pardonner? Pendant que toi, tu continues de demander pardon à Dieu. Hein? Parce que Dieu est Dieu. Et un humain est un humain. Alors je ne peux pas du tout être Dieu. S'il te plaît, donne-lui une seconde chance. Il y a toujours une seconde chance dans la vie. Biko. Ok, je t'ai entendu. Merci, mon ami. Maintenant, dis-moi, comment va le business?
Mais je te dis la vérité. En tout cas, Dieu est très fidèle envers moi. Comme tu peux bien le voir. Oh, oh patient. Tu vois, la condition de ta fille doit être ton bonheur. S'il te plaît, arrête-moi ça. Ne parle pas de ça, je t'en prie. Oh. Ah, ah, c'est quoi ça? Je te laisse. Tu peux aussi partir, s'il te plaît, pars. Hey, ah, ah. J'aime bien cette humeur. Oui, 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 oui. Tu connais Chélu? Es-tu sûr? Oh, il a une boutique. D'accord. Parle fort, non? Je ne t'attends pas bien. Parle fort. Bien, bien. Ça va. Je te ferai signe après. Je t'aime aussi. S'il te plaît, étant mère, tu es la seule personne qui a le droit et la sagesse d'influencer les pensées de ta fille. Il y a un adage qui dit que les mères sont les meilleures amies de leurs enfants. S'il te plaît, maman, aide mon frère ici. S'il te plaît, il est vraiment dans le besoin. Mon cher, même la nature sait que j'aime énormément Ken. Et mon cœur veut qu'il devienne un jour mon beau-fils. Ok. As-tu déjà entendu ou vu quelqu'un que j'appelle beau-fils? Non, 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 maman, non. Tu non. vois? Si ça ne dépendait que de moi, j'allais déjà prendre ma fille depuis tous ces temps. Mais en tant que femme, nous savons tous qu'une femme ne peut pas donner sa fille en mariage. Et à part ça, rappelez-vous de ce que mon frère avait dit, que nous devons tous être patients. Jusqu'à ce qu'on va découvrir le responsable de sa grossesse. Maman, ça c'est vrai. Mais ce que nous voulons est que tu puisses convaincre ta fille d'accepter mon frère. Qu'il soit responsable ou pas, on s'en fout. Voilà un peu, c'est tout ce qu'on voulait demander. Maman, maman, je t'en prie. Fais ceci pour moi. S'il te plaît. Et je serai toujours reconnaissant. Je n'oublierai jamais ce jour. Juste fais-le pour moi et tu ne vas pas le regretter, s'il te plaît. Je t'en prie. S'il te plaît, lève-toi. Lève-toi. Que je me lève. T'inquiète, ça va aller. Je ferai de mon mieux. Oh, je ferai de mon mieux, hein, s'il te plaît. Lève-toi. Que Dieu te bénisse. Maman, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Dieu te bénira. Tu verras plus de 100 ans. C'est vrai ça. Ouais. Ouais. Merci, oh, merci. Ma belle, toi tu as examen, alors hein? Tu peux épuiser la première. Est-ce que tu sais que j'avais fini mon examen juste 20 minutes après la distribution de papiers? Donc, tu t'es bien préparée pour l'examen? Oui, Dieu seul sait. Je me débrouille. Alors, cela veut dire que dans très peu de temps, tu seras admise à l'université? Ah, ok. Je ne serai pas seulement admise à l'université, mais je vais aller faire un domaine de mon choix. Tu es chanceuse, vraiment chanceuse. Merci. L'université n'est pas faite pour tout le monde. Non, ce n'est pas vrai. L'université est pour tout le monde. Peu importe ton statut social. Mais tu sais, mon ami, dans notre pays maintenant, il y a plein d'opportunités pour faire les études universitaires. Il y a beaucoup de sciences de nos jours. Il y en a plein. S'il te plaît, mon ami, puisons de l'eau. S'il te plaît, puisons de l'eau. Franchement, tu as tout gâché. Tu as tout gâché. Je ne peux pas te croire. Je ne pouvais pas croire que tu pouvais être aussi moins cher. Hein? Ce n'est pas de ma faute. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Je crois peut-être qu'il m'a envoûté. Envoûté? Hein? C'est ce que vous dites toujours, vous les femmes. Je me demande ce qu'il t'a promis. Peut-être un téléphone. Hein? Non. Tu sais que je ne suis pas matérialiste.
Je me demande, écoute, si quelque chose arrivait à John, John n'arrive même pas à se concentrer, il ne peut rien faire maintenant. Si quelque chose lui arrivait... Je t'en prie, aide-moi à les supplier. Dis-lui que je suis vraiment désolée. Quitte devant moi avant que je ne fasse quelque chose de stupide. Quitte ici. Chiquet, Chiquet. Aïe. C'est Dieu qui m'a sauvé aujourd'hui. Chai, ce gars appelé Johnson, hein? Écoute, je ne serai plus parmi les vivants si ce n'était Dieu. Hey, je remercie Dieu pour ta vie. Moi. Hein? Ah. Juste apaise-toi. Hein? Mais pour ce Johnson-là, ce grand fou furieux, regarde, nous devons leur porter plainte à la police. Qui connaît leur prochain plan? Oui, nous devons les faire arrêter d'abord. N'est-ce pas? Oui? N'est-ce pas? Mais je ne sais pas là où les trouver. Lui et ses amis misérables, je ne sais pas là où ils habitent. Écoute, faisons d'abord une plainte à la police, au cas où. T'as raison, je vais fermer ma boutique. T'as vraiment raison, je vais fermer ma boutique. Pas de problème. S'il te plaît, apporte-moi les Sprite. Sprite?